Bienvenue à cette leçon sur la discussion de groupe. Au terme de cette présentation, tu devras être capable d'énumérer les règles de la discussion de groupe en tant que membre et responsable de groupe, de connaître les différents rôles des élèves au sein d'un groupe, de définir le rôle de l'enseignant pendant le travail de groupe et la mise en commun. L'union fait la force. Tu as déjà entendu cette citation. Eh bien, en s'inspirant de cette citation, tu comprends que si tu travailles et discutes en groupe, tu seras en mesure de mieux affronter les difficultés dans ton parcours scolaire comme dans ton quotidien. Mais que veut dire la discussion de groupe? On peut dire que c'est discuter, débattre, exposer et affirmer ses idées au sein du groupe. D'habitude, en classe, tu discutes avec tes camarades en groupe de 2 à 5 apprenants. Il est aussi nécessaire que tu saches que le groupe est appelé à répartir les tâches. Pour cela, tes amis et toi, vous êtes appelés à choisir un chef de groupe. Ensuite, ce chef de groupe vous attribue des rôles tels que secrétaire, porte-parole, chronométreur, entre autres. Mais que font précisément le chef de groupe, le secrétaire, le porte-parole et le chronométreur? Le chef de groupe attribue un rôle à chaque membre du groupe. Il offre à chacun la possibilité de parler et surtout, il rappelle le sujet de la discussion. Le secrétaire écrit ce que les autres disent. Habituellement, c'est lui qui retransmet les travaux au groupe. Le porte-parole vient présenter les résultats ou les observations de l'expérience menée par son groupe à la classe lors de la mise en commun. Le chronométreur veille à ce que le temps alloué pour la discussion soit respecté. À noter aussi que tu peux te retrouver à travailler à deux. Dans ce cas, ton ami et toi, vous devez partager les rôles entre vous. Mais que fait l'enseignant? Eh bien, il joue le rôle de facilitateur. Pendant le travail, il reste en retrait, ne donne pas de réponse toute faite, apporte des aides ciblées, des conseils. Pendant la mise en commun, il écoute et prend en compte les propositions de tous les groupes et il gère le débat. Voyons maintenant quels sont les buts d'une discussion de groupe en classe. D'abord, elle te permet de mieux organiser ton travail à travers le partage des tâches et des connaissances et la gestion du temps. Ensuite, elle permet l'échange des pensées et des opinions. Enfin, tout cela débouche sur le développement de l'expression orale et écrite. Maintenant, voyons quelles sont les activités que tu pratiques lors d'une discussion de groupe. En fait, tu es appelé, par exemple, à discuter avec tes camarades autour d'un thème, à réaliser un projet, à monter une vidéo, entre autres. Allons voir un groupe à l'œuvre en observant Corinne, Nadine, Aïcha, Rénal, Sophie et Ryan à l'œuvre. Nous allons passer à une activité, la discussion de groupe. Le sujet étant, faut-il priver les étudiants de leur téléphone portable en classe? Vous aurez 15 minutes pour en débattre, en faire le résumé et le présenter devant la classe. Allez-y. Ah, moi, je change de portable comme je change de cartable. Les amis, je vous rappelle que Madame Prune nous a donné un travail à faire. Si tout le monde fait comme il veut, notre groupe ne fonctionnera pas. Je pense que tu ferais un bon chef de groupe. Qu'en dites-vous, les amis? Ah oui, je suis d'accord. D'abord, il faut que chacun de nous ait un rôle. Qui veut être chronométreur? Moi, j'ai une montre. Nous avons un quart d'heure pour la discussion. Qui sera secrétaire? Moi, je peux aussi corriger faute d'orthographe. Et qui fera le rapporteur? Moi, je veux bien. J'aime bien parler. Ryan, pourquoi ne pas collaborer en commentant les idées que nous proposons?
D'accord. Allons, mettons-nous au travail. Un avantage du téléphone portable, c'est qu'il comporte certaines applications telles que l'alarme, la caméra et la radio. Non, je ne suis pas d'accord. Car l'écran du téléphone portable affecte les yeux. Quelle bêtise! Laisse-moi parler. Le téléphone portable... Mouinal, il faut attendre son tour pour parler. En fait, il ne faut pas déranger les autres lorsqu'ils s'expriment. Ryan, n'as-tu donc rien à dire? Non. Allez, dis quelque chose sur le téléphone portable. Un tout nouveau vient de sortir. Ryan, il faut écouter attentivement. Je te rappelle que le sujet de la discussion est « Faut-il priver les étudiants de leur téléphone portable ?» Il faut donc parler uniquement du sujet. Qu'en dis-tu? Discuter en groupe, cela s'apprend. Voyons maintenant les règles qui mènent à une discussion de groupe réussie. Quand tu es responsable de groupe, tu es d'abord appelé à maintenir la discipline. De plus, tu assures le suivi des instructions. En outre, tu distribues des responsabilités. Enfin, tu accordes la parole à chaque membre. Quand tu es membre de groupe, tu écoutes attentivement quand les autres membres s'expriment. Ensuite, tu participes à la discussion. Enfin, tu parles uniquement du sujet. Récapitulons. Nous avons appris que la discussion de groupe te permet d'organiser ton travail, d'échanger des pensées et des opinions, et de développer l'expression écrite et orale. Aussi, ton enseignant joue le rôle de facilitateur. Il reste en retrait, mais guide les groupes en difficulté. Pendant la mise en commun, il écoute et prend en compte les propositions des différents groupes. Il gère le débat. Tes amis et toi, vous pouvez vous regrouper entre 2 à 5 apprenants. Il y a des règles à respecter quand on est membre et responsable de groupe. Maintenant que tu es éclairé à propos de la discussion de groupe et de quelques règles, passons à une activité. Lis les affirmations suivantes et réponds par vrai ou faux. Je travaille seul lors d'une discussion de groupe. Tu as trouvé la bonne réponse? C'est faux, car cela implique plus d'une personne. Il n'y a pas de règle à respecter lors d'une discussion de groupe. Quelle est la réponse? C'est faux, car il y a des règles à respecter en tant que membre et responsable de groupe. En tant que membre de groupe, on écoute attentivement quand les autres s'expriment. Vrai, car il faut leur laisser le temps de s'exprimer. C'est le chef de groupe qui distribue les responsabilités au sein du groupe. Tu penses à quoi? C'est vrai, car c'est lui qui attribue les rôles au sein du groupe. L'enseignant ne fait rien quand les élèves sont impliqués dans une discussion de groupe. Quelle est la réponse? C'est faux, car celui-ci joue le rôle de facilitateur. Il guide les groupes en difficulté, il écoute et gère la discussion. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon sur la discussion de groupe. En espérant que maintenant, tu es en mesure d'énumérer et de respecter les règles en tant que membre ou responsable de groupe. Nous te disons au revoir et à bientôt.